veux dire un mot ? Moi, j'ai déjà parlé dans une autre. Tu vois, qu'est-ce que tu... Pose-moi une question parce que je suis tellement. Je sais pas quel est ton état d'esprit ici, dans cette mosquée, avec toutes ces prises de parole. C'est très difficile. Moi, je ne peux être ni sous le signe de la religion, ni sous le signe d'une quelconque appartenance, tu vois. Nationale. La citoyenneté. Voilà, la citoyenneté, mais c'est surtout pour moi, j'avais envie d'être avec les gens, oui. Ceux qui effectivement sont tout de suite stigmatisés. Mmh. Et de toute façon, dans le dernier discours, oui. C'était bien ça. Hein. C'est pour moi insupportable. J'ai envie de dire l'inverse. Est-ce que tu n'es pas frappé par le fait que si on enlève les officiels de la République et les officiels religieux, finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde ici. Non, moi j'ai fait passer sur Facebook hier. Comment tu expliques ça ? Je crois que c'est un lieu privé, tu vois, c'est pas habituel. Oui. Moi je suis jamais rentrée dans la mosquée. Ah oui. Elle est très fermée, très. Elle est bien gardée aujourd'hui. Elle est bien gardée. Oui. Ah bah tu vois, il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est voilà. Quelqu'un qui. Je veux dire, oui, c'est. Ont déjà fait des opérations comme ça en direction de la ville et des non-musulmans ils sont très ouverts en fait ici. Donc là je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde. Alors les gens ont peut-être peur, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont peur et ils ont envie d'être sous un signe de la laïcité. Mmh. Ils ne se rendent pas compte que cet œcuménisme vite dit c'est pas séparé, c'est pas forcément autre chose. Oui, en Alsace, c'est vrai qu'on a une laïcité un peu particulière. Voilà, tu as l'œcuménisme, c'est plutôt. Voilà. Alors, je pense que c'est ça, moi, les amis. Oui, mais les Alsaciens, justement, ont dit qu'ils sont très attachés à ce statut local des religions. Et donc, je me disais, bon, en tant qu'au moins croyant des autres religions, ils non, vont justement, venir. Ceux qui pourraient venir, c'est ceux qui ne sont pas croyants. Il y a même des athées ici. Voilà, c'est ça. Ben moi, je suis complètement athée. C'est tu vois, et moi. Regarde, se demande s'il faut se couvrir la tête. Là, tu t'en fous aujourd'hui. Mais les athées ne viennent pas au milieu religieux, tu vois, très peu. Si, quand il y a un mariage, une mort, un événement privé, les collectifs, c'est pas le lieu collectif. Le lieu collectif, c'est la place publique, extérieure. Oui, qui est souvent envahie par la marchandise. Oui, mais là, l'autre jour, tu as Place Kléber. Bon, il y a eu les mêmes déviances qu'aujourd'hui pour nous, tu vois. Mais néanmoins. Tu veux parler d'une soirée où il y avait 4 à 5 000 personnes sur la place. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, j'en ai pensé, on s'est bien vu. Moi, je ne veux pas de la guerre. Tu vois, je ne veux pas tout ce qui est sous le signe du nationalisme, de la patrie, de chanter la Marseillaise quand on connaît l'histoire de la guerre d'Algérie. C'est pas possible. Oui, enfin la Marseillaise, elle a deux figures. Hein. Il y a un recto et un verso. Je sais, mais celui-là n'existe plus. Il n'existe plus. Ouais. La figure révolutionnaire, je n'y crois plus. Non, oui. Les gens la connaissent même pas. Puisque tu as parlé de la guerre d'Algérie, d'autres cas. Enfin, moi, je pense par exemple à la Marseillaise. Bon, c'était au 19e siècle. La révolution hongroise en 1830 ou 48, ça se faisait au son de la Marseillaise. Ça, c'est une Marseillaise progressiste. Oui. Mais évidemment, la guerre d'Algérie s'est faite aussi. Aux paroles de la Marseillaise, et là le sang impur il a coulé. Voilà, et là je peux te dire que quand j'entendais les paroles, elles résonnaient d'une manière qui ne me plaisait pas du tout. Oui, tu vois, pas du tout, là, tout à l'heure. Pas du tout. Parce que voilà, y a ça des dépend gens du qui contexte, on dira. Hein. De toute façon, et on va voir. Mmh. On va voir, tu vois. Enfin, bon, puis de toute façon, la France, et elle veut. Une dernière question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu penses là, de cet état d'urgence qui a été voté à la vitesse grand V ? À ton avis, qu'est-ce que j'en pense ? Je suis forcément hostile. Oui. Et je suis trop honteux que si peu de députés aient voté contre. Six, exactement. Six, voilà. Trois écologistes, je trouve... et trois PS, un peu en marge. Le Parti communiste est voté pour, et le Front de gauche. Je suis ils très choquée. Voté, hein, je suis très choquée. Ouais. Voilà, ça me choque. Voilà. Parce que c'est pas nécessaire. Non. Et les dispositifs, ils sont déjà largement suffisants. Oui. Et ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il ne faut pas poursuivre les tueurs. Hein, évidemment. Voilà. Mais on sait où ils sont, on peut les trouver beaucoup plus vite. Je pense que peut-être tu seras d'accord avec moi pour considérer que... comment dire ? Il y a un discours qui est uniquement tourné contre les terroristes, alors d'ailleurs ou d'ici, parce que c'est des Français, la plupart de ceux qui ont fait ces attaques. Mais moi, je suis surpris du fait, enfin surpris, à demi surpris, du fait qu'on ne parle pas, au fond... des causes qui font que, par exemple, des jeunes Français des banlieues
vont s'engager dans cette terreur abominable. Or, les causes, ça ne veut pas dire qu'on les excuse, évidemment. Mais je veux dire, on peut essayer de comprendre. Non, mais très peu, je suis d'accord. Quand on voit le portrait de ces jeunes, c'était déjà le cas avec Mira et tous les autres, c'est quand même quelque chose qui est frappant. Or, liberté, égalité, fraternité. Moi, j'étais en train de penser, surtout quand le préfet l'a dit, si c'est juste la liberté du commerce, si c'est juste comment dire, la fraternité de l'entre-soi, le français avec le français, les différentes communautés chacun ensemble, place, ouais. Chacun chez soi, dans son petit ghetto, et quant à l'égalité, on sait bien qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Hein? Ça en parle très peu, mais ça commence à sortir. Mmh. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que les gens culpabilisent, ont peur, tu vois. Ils ont peur il y a eu l'année dernière, par rapport à Charlie, des réactions comme ça. Mmh. Les gens ont été, ceux qui étaient hostiles aux grandes messes communes, ont été très stigmatisés tout de suite. Oui, bien sûr. Et les gens ont peur de s'exprimer sur les causes, sur les causes politiques. Mmh. Donc il n'y a aucune analyse politique. Oui, c'est ça. Aucune. Ce qui m'a frappé l'autre soir, Pascal Hébert, c'est que c'était en fait de l'émotion pure, mais manipulée en plus par un certain nombre de gens, donc la ville de Strasbourg en réalité, parce que officiellement c'était des lycéens, n'est-ce pas, qui avaient organisé ça. Bravo, on peut les saluer. Mais quand je me suis aperçu qu'il y avait un podium et de la sono, j'ai bien compris que c'est la ville de Strasbourg. Et quand j'ai vu. Non, c'était, j'ai vu, c'était le mec des TAPS qui est venu, qui gérait la technique. Oui, je ne connais pas, oui. Et c'est ce que j'ai cru comprendre, ça a été emprunté à un théâtre municipal. Ah, d'accord, voilà. Mais vérifie, parce que je suis sûr de rien. Non, mais peu importe, je veux dire, de toute façon, la ville, elle a du matériel. Ouais. Mais ce qui m'a frappé, c'est moi, j'étais devant un moment pour enregistrer ce qui se disait, ce qui se faisait. Et il y avait effectivement là Roland Ruiz, Mathieu Kahn, Alain Fontanel, les autorités locales, ils sont restés 5 minutes. Et puis même les associations qui sont intervenues, c'était toutes des associations très proches de la ville. Il y a eu avant, t'es arrivé à quelle heure? Oh, mais j'étais dès le début. Ah oui, t'as vu juste quelque chose liberté, qui était, mais j'ai pas beaucoup. Voilà, autour de la statue Kléber, c'était c'était la population, les jeunes surtout, les gens, qui posaient des bijoux, des gens normaux. Oui. Mais après, ça s'est tourné de l'autre côté, vers la. Moi, j'appelle ça. Je ne sais pas comment ça a été organisé, il faudrait vérifier, oui. Je ne sais pas. Par contre, je pense que c'est largement insuffisant, parce qu'il n'y a eu aucune parole politique. Mais est-ce que c'était possible? C'est la question. De toute façon, non, mais pas partisane. La ville de Strasbourg, elle suit le gouvernement comme son nom. Oui. C'est pas elle de qui il fallait attendre des paroles, comme on discute en ce moment. Hein, voilà. Non, mais est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est pas maintenant que ça commence à être possible? Je vois ne sais ça pas. Là, dans les médias, il en est question. Voilà, tu vois, moi j'ai l'impression, je vois sur les réseaux sociaux, ça commence à apparaître. Mm-hmm. Tu vois, il y a eu différents trucs qui sont sortis, qui élargissent un peu justement questions politiques et économiques. Tu vois, hier soir, j'étais à Grégoire Kléber, où il y avait Jean-Luc Nancy. Il y avait Jean-Christophe Bailly, et il y avait Avita Ronel, une philosophe américaine, enfin d'origine tchèque. Et c'était très intéressant. Bon, j'ai tout enregistré, tu peux le voir d'ailleurs sur Facebook, Feuille du Chou. Mais ce qui m'a frappé, j'ai posé une question vers la fin, et puis j'ai eu une réponse assez décevante de Jean-Christophe Bailly, parce que j'ai perçu, mais j'avais déjà vu ça chez Nancy aussi, une position effectivement qui consiste à s'en prendre quasi exclusivement aux dits terroristes. Et j'ai parlé de l'état d'urgence, bon, il semblait même pas au courant que c'était voté le jour même, n'est-ce pas? Il y avait des mesures terroristes, assimilation à résidence, des perquisitions nocturnes. Je sais, Jean-Claude, mais nous on est vraiment parce qu'on est très branchés sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui refusent. Ils ne veulent pas savoir. Non, c'est-à-dire qu'ils sont sur un autre temps de l'information. Mmh. Ça, moi, là-dessus, je dirais. Tu veux dire sur le temps qui n'est pas BFM? Ils ne sont pas sur l'immédiateté, voilà. Nous, on est vraiment sur l'immédiateté. Oui. Et par moments, moi, ça me noue le ventre. On peut penser juste, même dans l'immédiateté. Tu peux prendre une journée pour réfléchir. Comme on est quand même des vieux, avec une vieille expérience, n'est-ce pas? Mais des fois, tu peux prendre un peu de recul, une journée, c'est pas grave. Oui. Je ne dis rien par rapport à Jean-Christophe Bailly, j'étais pas là. Donc tu pourras voir les vidéos, les émises. Mais c'est vrai que la parole politique, elle ne sort pas, elle est minoritaire. Mais 6 personnes qui votent, 6 députés qui votent contre, tu vois, ça. Tout le monde, et c'est un espèce de.
nous interrompons pour laisser la prière se faire dans le silence, d'accord? Jusqu'à nouvel ordre. Merci.